Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tour automatique. Donc vous allez voir, c'est un principe que je ne connaissais pas. Et vraiment, c'est incroyable. Voilà, c'est un tour de Peter Turner que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et donc ce qui est cool, c'est que c'est un tour impromptu. Donc vous pouvez emprunter un jeu de cartes à votre spectateur. Il ne faut pas obligatoirement qu'il soit complet de 52 cartes. Voilà. Donc s'il n'est pas complet, c'est pas grave. Tant mieux, vous pouvez quand même faire le tour. Donc vous demandez au spectateur de mélanger les cartes. Donc il mélange les cartes. Et vous lui demandez de faire deux tas. Donc il choisit ce qu'il veut. Donc imaginons, il fait comme ceci. Il va faire deux tas de 13 cartes par exemple. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà, ça c'est le choix du spectateur. Le reste des cartes, on n'en a pas besoin. Et ensuite, vous dites au spectateur, je vais me retourner, vous allez choisir un des deux paquets, vous allez couper sur un des deux tas, n'importe lequel, mémoriser la carte, et vous allez remettre ce tas-là que vous avez coupé sur l'autre tas. Et après, je vous dirai ce qu'il faudra faire. Donc là, je vais jouer le jeu du spectateur, je ne vais pas tricher, je vais me tourner, je ne vais pas regarder mon écran, vous allez entendre à ma voix que je ne regarde pas, que je ne suis pas devant. Donc je me retourne, là, vous entendez que ma voix n'est pas la même, elle est un peu plus éloignée. Donc je vais choisir le paquet de droite et je vais couper vraiment au hasard. Et je vous montre la carte sur laquelle j'ai coupé. Et vous demandez au spectateur de prendre ce paquet-là, de le mettre sur l'autre tas ici. De reprendre le tas sur lequel il vient de poser son tas, où il a choisi sa carte. Et de déposer une à une les cartes qu'il y a dans sa main sur le reste des cartes à droite. Vous pouvez lui dire qu'il peut mélanger le reste des cartes qu'il a en main. Et déposer toutes les cartes comme ceci et de bien égaliser. Et là, à ce moment-là, vous pouvez vous tourner. Donc là, je fais face au spectateur, vous entendez mieux ma voix à ce moment-là. Et là, vous allez être capable de retrouver la carte du spectateur sans regarder la face des cartes. D'accord? Donc je vous rappelle que c'est un jeu normal, il a été mélangé, c'est pas un jeu marqué. Donc là, c'est vraiment génial, le principe est dingue. Et donc, il est temps de retrouver la carte du spectateur. Et donc, vous reprenez les cartes en main. Et donc, on va retrouver la carte du spectateur juste en posant des questions à celui-ci. Et donc on lui dit, je vais vous poser des questions, par contre, il faut rien me dire du tout, d'accord? Et surtout, vous restez stoïque au niveau du visage, il faut me donner aucun signe. Donc premièrement, je vais vous poser plusieurs questions. Je vais essayer de savoir si votre carte est rouge ou noire, d'accord? Donc je pense que votre carte est noire. Je pense que votre carte est rouge. Je pense que c'est né. Oui, je pense que c'est une carte rouge. Je dirais peut-être. J'ai le choix entre cœur ou carreau. Je dirais peut-être carreau. Je pense que votre carte n'est ni un valet, une dame ou un roi. Et je pense que c'est une carte proche du 10. Ce n'est pas le 10 de carreau. Mais je pencherais plutôt pour le 9 de carreau. Est-ce que c'est bien votre carte? Et là, le spectateur va vous dire bravo, c'était bien ma carte sélectionnée. Donc voilà, vous allez arriver à retrouver la carte du spectateur sans regarder les cartes. Du moins, vous allez le faire, mais ça va passer incognito. Donc vous pourriez très bien retrouver la carte du spectateur en regardant la face, mais ça n'a aucun intérêt. Voilà, je trouve ça beaucoup plus fort si vous posez des questions à votre spectateur. Remarquez que si vous regardez la face, que vous retrouvez la carte, c'est quand même très fort puisque le spectateur ne va rien comprendre dans tous les cas. Donc vous avez énormément de façons de révéler la carte du spectateur. Donc je vous laisse trouver les idées. Vous allez voir, vous allez trouver plein d'idées. Quand vous allez connaître le principe, bah, vous allez avoir plein d'idées qui vont germer en vous. Et vous allez trouver des trucs sympas. Donc n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, comme d'habitude. Hein. J'apprécie beaucoup que vous laissiez vos idées. Quand vous voulez améliorer la routine, vous avez d'autres trucs à dire, vous les dites dans les commentaires. Donc ça, c'est très bien, continuer, c'est bien pour les autres, pour moi et pour les autres aussi. Et donc je pense qu'il est plus intéressant de retrouver la carte comme ça en posant des questions au spectateur, mais vous allez quand même retrouver l'identité de la carte. Donc je vous explique le principe qui est dingue. Donc c'est un tour impromptu, donc le spectateur peut mélanger. Donc je laisse ma caméra comme ça. En général, je la mets au-dessus de moi, mais vous allez voir pourquoi, c'est fait exprès. Donc là, le spectateur mélange. Vous ne connaissez pas l'ordre des cartes. Vous lui dites de distribuer deux tas avec le même nombre de cartes dans chaque tas. Donc imaginons, il va distribuer 15 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il peut les distribuer une à une ou d'un coup.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Là, je vérifie. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On est bon. Donc là, ce que vous savez le nombre de cartes qu'il a mis, puisque... alors, il ne faut pas dire au spectateur, voilà, vous allez distribuer un certain nombre de cartes, il faut qu'il y ait le même nombre de cartes, allez-y. Vous n'allez pas lui dire, dites-moi le chiffre que vous avez choisi, puisque il ne va pas le dire, il va les distribuer, mais vous allez compter secrètement combien il en est. Donc ça ne sert à rien de lui demander tout de suite le chiffre choisi, puisque vous allez compter secrètement. Même si lui, il pense que vous allez compter secrètement, c'est pas grave, de toute façon, il va pas comprendre comment ça marche. Ensuite, vous allez demander à votre spectateur de choisir n'importe quel tas, de couper, de regarder la carte sur laquelle il coupe et de déposer ce tas sur l'autre tas. Donc vous retournez à ce moment-là. Il ne faut pas que vous sachiez sur quelle carte il coupe. Donc imaginons, il choisit ce tas, il coupe où il veut. Il va mémoriser le valet de trèfle. Vous lui demandez de déposer ce tas sur l'autre tas. Ensuite, de prendre le tas sur lequel toutes les cartes ont été déposées. Où il vient de déposer sa carte sélectionnée. Et de distribuer une à une ces cartes-là sur l'autre tas, ici, qui est resté à droite. Donc il les distribue une à une. D'accord ? Pour perdre encore plus la carte. Vous pouvez lui dire arriver vers la fin, quand il vous restera 5-6 cartes, vous pouvez les mélanger et continuer à distribuer une à une. Et là, ce qui est incroyable dans ce principe, c'est que vous avez compté 15 cartes au départ. Le spectateur a déposé 15 cartes dans chaque tas. Vous allez rajouter 1, ce qui fait 16. Et vous savez que la carte sélectionnée qu'il a coupée sera en 16e position. Ça paraît fou, mais je vous jure que c'est vrai. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Le valet trèfle. Franchement, c'est de la bombe atomique, ça marche à tous les coups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Imaginons, il fait 13 et 13. Vous savez que la carte sera en 14e position à chaque fois. Il coupe où il veut. 6 de carreau, il dépose. Il prend les cartes, il dépose une à une. Arrivé vers la fin, vous lui dites quand il ne vous reste plus beaucoup de cartes, vous pouvez mélanger. Et vous savez que la carte du spectateur, le 6 de carreau, est en 14e position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça marche à tous les coups, c'est vraiment merveilleux. Voilà, donc là, je pense que maintenant, vous allez avoir plein d'idées pour révéler la carte. Donc je vous explique comment le magicien le fait dans la vidéo originale, comment Peter Turner, ce grand magicien que j'adore énormément, fait exactement. Donc lui, il ne regarde pas la face des cartes. Alors vous pouvez le faire avec un jeu marqué, puisque lui, quand il parle, en fin de compte, ce qu'il fait, il dit voilà, je vais vous poser des questions. Et pendant qu'il parle, il passe les cartes comme ça, il les compte dans sa main, et il va jusqu'à la 13e carte. Donc là, c'était le 6 de carreau. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, voilà, c'est la 14e carte. Donc il sait, par exemple, c'est la 14e carte. Ce qu'il fait, pendant qu'il parle, il dit, voilà, je vais vous poser des questions, et il passe les cartes comme ça. Mais il regarde le spectateur, il ne regarde pas les cartes, hein, d'accord. Donc il les compte dans la main, je pense secrètement, comme ça. Donc il fait ça, 6, 9, 12, 13, comme ça. Il pose, et pendant qu'il parle, il pose les cartes comme ça. C'est ce que j'ai fait pendant la démo. Donc là, je sais que maintenant, la carte sélectionnée est sur mon jeu. Mais je ne sais pas laquelle c'est. Donc si vous avez un jeu marqué, bien évidemment, vous pouvez prendre l'indication sur la carte. Ici, vous savez quelle carte c'est. Mais le but, c'est de le faire avec un jeu emprunté. Mais vous pouvez très bien le faire avec un jeu marqué, mais ça perd tout son intérêt, à mon avis. Et donc, pendant que vous parlez, eh ben, vous mettez les cartes dans vos mains, vous les posez comme ça. Vous ne regardez jamais la face des cartes, d'accord ? Vous dites au spectateur, vous avez mélangé, vous avez fait deux tas, vous avez coupé où vous voulez, vous avez encore distribué les cartes une à une. Moi, je ne peux pas savoir la carte sélectionnée. Et là, elle est ici. Donc c'est le 6 de carreau, d'accord. Et donc comment vous allez faire pour trouver l'identité de la carte si celle-ci n'est pas marquée? Donc il va falloir piquer la carte. Et donc c'est pour ça que j'ai mis ma caméra comme ça, parce que je vais vous expliquer son pic à lui qui est vraiment incroyable, que je trouve génial, que vous allez faire, je pense, qui est vraiment invisible. Donc je ne le connaissais pas. Donc lui, ce qu'il fait, c'est que pendant qu'il parle, il dit, voilà, donc il a distribué les cartes ici, il dit, je pense que votre carte est rouge, ne me dites rien. Je pense que votre carte est noire. Là, à ce moment-là, il a pas encore, il ne sait pas encore si la carte est rouge ou noire. Et là, ce qu'il fait, il prend son paquet comme ça, il tourne son paquet comme ça, il met son pouce ici, sur la tranche, et avec l'autre pouce ici, il soulève vite fait ici le coin de la carte. Ça prend une seconde, et il voit
l'index de la carte, il sait quelle carte c'est. Donc ça ne se voit pas, pourquoi? Parce que vous voyez, si vous levez un peu la main comme ça et que vous mettez votre paquet en oblique comme ça un peu vers vous, et que vous mettez votre pouce ici, déjà vous cachez cet angle-là. Vous voyez là, on ne le voit pas. On ne voit pas la carte ici. Il suffit avec votre pouce de lever légèrement la carte. Donc je vous montre ici. Mais quand vous êtes comme ça ne se voit pas. Vous levez la carte, vous piquez l'information, ça prend une seconde. Vous voyez juste l'index ici, le 6 de carreau. Voilà, en mettant votre pouce ici, vous mettez votre main, hop, vous décalez, vous regardez vite fait, vous relâchez, vous êtes comme ça. Et vous continuez à vous poser, et vous continuez à poser vos questions. Là, vous savez l'identité de la carte. Voilà. Donc je vous l'ai fait pendant la démo. C'est pour ça que je voulais mettre ma caméra face vers moi. Je ne pense pas que vous l'ayez vu puisque j'avais vraiment les mains à la bonne position. Donc si vous mettez votre pouce ici, vous levez un peu les cartes. Voilà, vous êtes face à votre spectateur. Donc là, je suis face à la caméra. On ne voit pas ici que je vais soulever l'angle ici. Vous voyez, là, si je soulève l'angle, hop, si je me mets comme ça, on ne voit rien. Là non plus, là non plus, là non plus, là non plus. Donc c'est très facile de prendre le pic de la carte ici. Voilà, ça c'est sa façon à lui qu'il le fait. Si ça ne vous convient pas, bah, je vous laisse trouver vos solutions à vous. Mais vous allez voir, ça marche à tous les coups. Donc on se refait une dernière fois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous savez que ce sera la 11e carte. Donc il coupe, 5 de pique, tac, il distribue. Arrivé vers la fin, vous dites, vous pouvez mélanger les dernières cartes qui vous restent et déposer. 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5 de pique. Donc je vous laisse trouver comment vous allez faire la révélation. Vous pouvez très bien dire, nommez-moi les cartes une à une. Vous avez toujours deux tournées, il vous dit la valeur des cartes est arrivée à la 11e. Vous dites, stop, je pense que c'est cette carte-là. Voilà, vous avez plein 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 de façons. Moi, je pense que c'est très fort de le faire comme il le fait, sans regarder la face des cartes, juste en posant des questions. Donc vous dites, je pense que votre carte est rouge, je pense que votre carte est noire. Vous prenez le pic ici, hop, c'est bon. Et là, vous pouvez dire, je pense que votre carte est vraiment noire, je pense que c'est du trèfle, et patati patata, vous faites votre speech comme d'habitude. Voilà pour ce principe de fou. J'adore ce tour automatique. Donc là, la caméra n'est pas très bien placée. Donc voilà, j'adore ce tour de fou. Franchement, je trouve génial. J'espère que vous aussi, vous allez l'aimer. Et que vous le ferez. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt, merci.